sais pas si je laisse le chat. Je pense que je peux laisser le chat sur ce jeu-là parce que. Remarque, Happy Game n'est pas un jeu happy. Ah oui, alors, avertissement. Victime de mal. Ouais, alors, lisez bien ça. Attention! Si vous avez des prédispositions. Divers personnages imaginaires qui participent à des actes de violence comiques et totalement. Putain, c'est l'impression de. Ça, ils auraient pu le mettre avant Happy Three Friends. Avec cet accent horrible. Genre, vraiment, j'ai dit un seul mot là. Happy Three Friends. Vous l'avez là, cet épisode d'Happy Three Friends où. Il y a le cerf qui se découpe la jambe parce qu'elle est bloquée là. Je me rappelle, celui-là, il m'avait mis mal à l'aise, j'avais envie de vomir et tout. Mais bon, bonne ambiance quoi. On va baisser le son parce que. Ça y est, GG. Ok, ça commence déjà. Ça, Knights? J'ai vu que Pastis, il dessinait un perso tout à l'heure. En vrai, il s'est pas foutu de toi. Hein. Il devait passer un quart d'heure dessus, il a passé tout son stream dessus quoi. Tout son début de stream. Alors, en vrai. Visuellement, genre c'est chelou parce que je trouve que le design de ce perso là est juste, on dirait une emote, tu sais, mais de boomer quoi. Non? On dirait pas les emotes de ta tante sur Facebook. Mais pourtant, le reste, enfin tu vois, comment c'est intégré et tout, l'effet un petit peu, il y a un petit grain sur les trucs et tout. Genre c'est. Je sais pas. C'est assez unique, c'est. C'est n'importe quoi en fait, hein. Mais du coup, normalement c'est un point and click, on a que 4 doigts, on est un Simpson. C'est incroyable. Je peux interagir peut-être. Oh, il a un petit train, le bâtard. Ah ouais, jamais vu un gosse aussi heureux d'aller se coucher, quoi. Normalement, t'es pas aussi heureux d'aller te coucher avant tes 25 ans, quoi. Avant de commencer la vie active. Bon, du coup, avant 25 ans, bon, hein. Les emotes MSN, voilà, c'est ça. Là, t'as reçu ton POC, là. Bulb Boy, oui, tu t'en souviens de celui-là, Arus? Il était marrant ce jeu aussi. Ah, bah excuse. J'ai réveillé. Bah, les études, oui, mais pas les premières années. Les premières années d'études, c'est n'importe quoi. T'as une endurance, t'es. Allez, on va à gauche. Regardez l'emote. Enfin, regardez l'emote. Le curseur. Le curseur se transforme en. Il marche, quoi. Incroyable. Bon, ça va être tout petit sur le stream, mais. D'ailleurs. Je vais juste vous bouger du centre en fait, ça n'a aucun sens que vous soyez au centre. Vous savez quoi, je vous mets là. Hop là. L'ambiance sonore est déjà horrible. Ça fait peur, je me casse. Ah bah c'est Halloween! Je sais pas sur quoi on va tomber là, mais. Petite voix quand même, je pense que si ça chantait, ça ce serait pas dégueu. Ok, bon, bah on va aller directement sur le cadeau que les étrangers qui disparaissent nous laissent. Bah, let's go. Ok. Petit tuto là, ça. Putain, la tronche de la peluche déjà. Elle est maudite, elle est cursed à 100%. Ah, pour ceux qui ont des problèmes avec les clowns et le cirque. Vous avez kiffé celui-là. Hein. Oh! Oh! Ah, j'ai aidé quelqu'un à la foire là. Avec la main là. Le jeu de la griffe là où tu dois ramener un truc dans un bac. Il y a un lutin maléfique. Ok, je suis pas obligé d'écrire tout ce que je vois, vous allez me dire, mais. Il y a une poupée russe. J'avoue que les poupées russes de base c'est déjà très malaisant, mais alors là. Si c'est. Ça a l'air de partir comme Chuchel, où on comprend rien ce qui se passe. J'espère que j'entends s'il y a des gosses qui viennent sonner chez moi. Et j'espère qu'il y en a qui vont venir, mais là ça commence à être tard pour les enfants. Sinon je vais devoir bouffer tous les bonbons tout seul, hein, c'est chiant ça! C'est Chuchel en glauque, ça avait l'air. Hein. Alors quel va être le message? Tu vois? Ok. Crucifié. J'espère qu'il y aura un message. J'étais sûr. C'est un bully.
Ah ouais, ça. Ah mais je pensais qu'il allait avoir une petite intro et tout. En fait, dès le début, c'est malaise 4000. Attends, mais... Ok, on va essayer d'aller vers le truc. Oui. Ah, petit moment de grâce. Un ballon de foot. Allez, le foot! Allez, Didier! Oh, les salauds! Je sais pas quelle version est la plus terrible entre allumé et pas allumé. Putain, ça me rappelle juste que j'ai pas de citrouille ou de potiron là que j'ai pu tailler. Je suis deg en vrai. J'avais pas trouvé quoi. Envie de chialer. Je m'y suis pris trop tard, je pense. Ça fait trop penser aux Horror Week d'avant. Oui, on faisait toujours des jeux indés chelous. J'adore. J'adore en fait Halloween. J'ai désolé de le dire, hein, bon. Juste la meilleure fête quoi. Attends, quoi, il y avait un tuto marqué? Ah, je le porte. Et Ah, je peux continuer. Eh ben allez, je pars avec. Je sais pas moi, hein, garde-le. Bon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut le mettre sous l'autre peut-être, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre que le mettre sous l'autre. Après, il y a le nounours aussi, j'ai pas trop interagi avec. Là. Non mais j'arrive rien à faire d'autre que le porter en fait. Ah. Attends, c'est pas la... Non, c'est pas la tête du singe, c'est vrai. Oh! Ok. Ah! Yes! On a créé notre ennemi du cauchemar. Et il reste le singe à 5 balles là, non? On s'en fout? Ok, moi j'y vais, c'est bon. J'ai rien compris à ce que j'ai fait là. Ce bruit de pied là est très dérangeant déjà, de base en fait, sur le sol. Il est pas ASMR quoi. Ok. Pourquoi si j'arrive pas à le lever celui-là? C'est le seul fait que je connais Halloween. Pardon, parce que des fois je regarde le chat en marchant, mais en fait comme c'est par rapport à mon curseur, s'il arrive à mon curseur, il fait du surplace et je m'en rends pas compte. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais... Qu'est-ce qu'il raconte eux? Oh! Ah ok. Ça va être The Musical. Je sais pas moi si j'ai... Mais c'est eux, peut-être que je pourrais lever l'autre là-bas. Allez, let's go. Merci Exoplasma. Te plaise. Et bonsoir, je passe en coup de vent avant ma soirée film d'horreur, amusez-vous bien. Putain, trop bien, tu regardes quoi Exoplasma? Je suis trop chaud des films d'horreur, faut que tu me dises ce que tu regardes. Je cherche toujours des films d'horreur. Que ce soit Halloween ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire. Mais merci pour les 29 points en tout cas. Voilà. Yes. Allez! Ah ouais, donc on joue vraiment un bébé quoi. Un gros bébé. C'est quoi, je vais bouffer un bonbon, ça va leur apprendre. Faire un petit peu d'ASMR de bruit de bouche. Pas ouf là, non? Mais il y a quand même un côté sympa, hein. Oula, oula, oula. Ah mais t'as un gamin qui est torturé comme ça, c'est chelou, quoi. Il
Les animaux fantastiques ont un scénario horrible, ça compte en film d'horreur. La violence. Shutter Island avec mes colocs, c'est un classique et moi c'est une flippette donc il fait partie des nombreux que je n'ai pas vu. D'accord. Il est bien en vrai. En plus, tu vois, c'est rare parce que les films d'horreur, souvent, faut choisir entre film d'horreur ou bon film, tu vois. Là, Shutter Island, c'est plutôt stylé, quoi. Plutôt très très stylé. C'est le Hellfest. Typical. Ouais, voilà, quoi. Le Hellfest, c'est du bruit. Vraiment, j'ai l'impression d'entendre. Pas mes parents, parce qu'ils diraient pas ça, mais tu sais, des vieux. Ouais, le métal, c'est pas de la musique, quoi. C'est du bruit. Boum boum. Ça ressemble à ça, quoi. À OE4, j'ai testé vite fait cet après, mais je suis pas allé très loin. J'ai testé, j'ai juste vu que c'était. Enfin, vraiment, j'avais l'impression de jouer Age of Empires 2 un peu avec quelques éléments du 3. Ça m'a pas plus emballé que ça, je trouvais ça chum en plus visuellement. Mais j'avais peut-être trop d'attentes sur Age of Empires 4, je sais pas. Après, si le gameplay est bon, c'est le principal, hein, mais. J'ai pas assez joué. Ouais, c'est pas un film noir, Shutter Island. Après, je peux comprendre Il y a un côté angoissant quand même, hein. L'ambiance et tout est pas. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Quel enfer. Il fait que se faire bully ce gamin. Je pense que le message ça va être vaincre ses peurs, tu vois. Et après on pourra taper le bully dans la cour de récré. Le truc c'est une horloge quoi. Ah, c'est un cric. Une sorte de cric. J'ai pas besoin de la main gauche en fait, juste avec ça. Ouais, c'est vraiment un cric. Incroyable. C'est. Cauchemar, much? Ok, c'est la main gauche pour faire venir. Mais pourquoi je veux qu'il sorte lui? En fait, vraiment, je suis la personne qui tourmente le gamin, c'est ça? Je joue la personne qui le tourmente. C'est fou. Ah. Petit côté salade fingers, hein. Allez! Putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est une poupée vaudou. Ah! C'est un gnou-gnou! C'est un chocolat là, un nounours. Le gamin il oublie très vite, hein. Heureusement, c'est l'âge, tu vois, cet âge-là, tu. Voilà, là il est reparti dans le délire. Dès qu'il voit un ballon, c'est un peu comme les chiens, quoi. Il y a une balle. Ghostland? Ah, faudrait que j'aille voir ce que c'est, je connais pas, tiens. Mais je vais avoir oublié 100% d'ici la fin du stream. C'est pas grave, ça arrive. Oh, le feu de circulation. Je le reconnais, ça effectivement, c'est un cauchemar une fois que tu dois conduire. Oh, un bébé! Il a pris des claques. Excusez-moi, j'ai un peu hurlé. Il a pris des claques à la crèche. Ok. Pourquoi ça me fait rire ça? Cette musique, hein, toujours. Je crois que j'ai compris. Que c'est lui-même, en fait, qui serre extrêmement fort sa joue, quoi. Avec ses petites mimines. Ah. Ah mais il les met sous sa... Ah c'est dégueulasse en fait, je m'attendais pas à ça, c'est horrible. Il y a un petit côté Darkwood là dans les... La teinte quoi. Côté très blanc, blanc-gris. Du coup c'est bien là, on est content de lui avoir fait ça. Ah! Ah mais c'est un bocal sa tête! Bah vas-y le ballon, let's go.
Ah. Allez, je t'ai volé le ballon. Comme on me l'a volé, c'est ça le message. Pour survivre, il faut devenir le bully. Seigneur Lee. Pas trop kiffé le coup du ballon. Il va pas me poursuivre ou quoi, j'imagine. Il n'oserait pas. Elle était cool la musique, non? J'ai regardé Grave. Moi, j'avais pas aimé Grave. J'espère que ça va bien, Nirli, sinon. Comment se passe ton Halloween? Alors ça, no joke, il m'est arrivé... Enfin, il m'est pas arrivé à moi, du coup, je l'ai fait arriver à quelqu'un, on va dire, en parlant pas français, mais... Le ballon dans la tête, là, c'était un mariage, je crois, de je sais plus qui. J'avais mis un gros shoot dans la tête d'un gamin. C'est horrible. Et mon frère, il m'a dit, j'étais sûr que t'allais faire ça. C'était horrible. C'était comme prédestiné, quoi. C'est sûr que ça allait arriver, tu vois. Et c'est arrivé... Bon, après il a appris la vie quoi. C'était fortuit, c'était pas fait exprès, bon. C'était un peu drôle en y repensant, mais. Mais non, je l'ai pas fait volontairement. Mais tu sais, c'est genre. Tu sais, on jouait avec, et je me souviens avoir pensé avant, tu sais. C'est classique en mode, tu penses toujours au pire truc qui peut se passer. Et j'avais pensé, il va se prendre la balle dans la tête si ça se trouve. Et après, il a fait un gros shoot dans la gueule. Ça bosse demain, aïe aïe aïe. Pas de jour férié pour monsieur. Aïe 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 aïe. Attention si vous avez des prédispositions. Allez, crise d'épilepsie et tout là. Ou juste vous avez prédisposition à pas aimer le malaise général qu'inflige ce jeu. Oh, tous les jouets. Oh putain, il a ça comme jouet. Ils auraient dû me donner ça mes parents, tu vois. Petit Rubik's Cube là. J'aurais peut-être appris une chose ou deux. Ça, en fait, c'est une boule de Noël, hein. Non? Oh! Alors, Toy Story, mais avec des designs comme ça, ça aurait été autre chose. Et bah, vas-y. Ah, il lui faut son. Ah, oui, ça va être comme ça. Il va falloir assembler les choses. Il n'y a plus rien à me donner, lui? Non. Ok. Il fait un bruit de vache. Je me suis déjà pris un ballon de foot dans le visage, petit au Bernard, ça fait pas du bien. Ah non, ça fait pas du bien, mais après, moi j'ai fait du foot en club quand j'étais tout petit et le ballon de foot en hiver là, dans le pif, à 9h du matin. Plus qu'Aspiré qui est retenu la leçon quand il sortira du corps. J'ai des Rubik's Cube que j'ai jamais fini trop compliqué. Ah bah après, faut un peu t'apprendre à y jouer quoi déjà. C'est clair, si tu le donnes juste à ton gosse. Il y a John le rouge. Bon alors, lui, je comprends pas trop ce qui se fait. Il faut peut-être le coller à quelque chose d'autre, je sais pas. En tout cas, ça a zoomé sur lui, quoi. Ah! Alors, c'est vraiment, je suis face à un troupeau, quoi. Ah, mais il faut juste le faire plein de fois, d'accord. Oh, c'est les animations de South Park, les Canadiens. J'ai jamais réussi à finir un Rubik's Cube, j'ai jamais essayé, mais je pense que je veux pas essayer parce que je veux pas être confronté au fait de pas y arriver. Et me sentir nul. C'est quoi, c'est un klaxon de bagnole? Chouchou. Mais oui. C'est pour le train-train. Ça reste très enfantin quand même, hein, les créateurs ont su garder leur âme d'enfant. Je suis une âme un peu torturée quoi. Un enfant psychopathe dans les films, quoi. L'enfant de Insidious. Dark Insidious. Oh! Ok. C'est la machine à rêve, un peu. Oh, le procès! Ah non, la crucifixion de Jésus, d'accord. Et la patte de... Je sais pas. Une patte, quoi. Patoche, quoi. Je sais pas, faut que je continue de faire ça? Parce que le cowboy, il fallait juste que je continue plein de fois à le faire. Ah voilà.
Ça va aller. Oui, ça peut aller, ça. Pourquoi ça fait un bruit aussi horrible? Une espèce de bruit blanc, là, quand tu le prends. Ou alors, vraiment, tu sais, à l'arrière d'un PC. Genre le ventilo de ton PC, c'est ce bruit-là. Il y a des techniques pour le Rubik's Cube, une copine m'avait appris, mais j'ai tout oublié de suite après. Ouais, c'est ça en fait, je pense qu'il faut. Enfin, deviner tout seul comment le faire, ça va être super dur, non? Qu'est-ce que j'en fais de ça, ouais. Il n'y a pas rien à me donner, lui? Non. Bah. Attends. Avec quoi est-ce que ça peut aller, ça? Je vois pas trop là. Et là, je peux plus interagir avec eux. Possible. Il pleut? Ah merde. J'étais gardien à l'époque, je me suis pris deux headshots en 3 secondes, j'étais sonné. Putain, genre, t'étais à terre et les mecs ont tiré dans ta tête. Genre. Alors que t'étais déjà sonné. C'était Shaolin Soccer un peu pour ceux qui voient la scène. Bon, les hommes de culture, et les hommes et femmes de culture qui ont vu ce grand monument du cinéma. Je pense pas que tu trouves tout seul. Ouais. Les Rubik's Cube, faut apprendre des formules, c'est à chaque algorithme. D'accord. Ben c'est ça en fait, moi mon gosse je vais lui donner sans lui expliquer. S'il arrive à trouver, ben voilà, je saurais que j'ai un petit génie quoi. Un petit génie à la maison. S'il trouve pas, ben je saurais que c'est pas le mien quoi. Je sais pas quoi en faire. Ah mais oui, je suis un connard bien sûr la voiture. Ça a du sens quoi, je sais pas pourquoi j'ai pas tilté. Et que ça qui peut avancer. Zoom. C'est un truc de nerd. Ah yes! Horrible. La tête. Ah! Yeah. Donne! Non. Jamais elle lâche. Ah, ok. Zoom! Fais gaffe, faut pas te faire écraser quand même. Ils ont le droit quand même de faire des designs assez simples, mais il y a une. Horrible quoi. Allez, prends-le! Non, si. Ah oui! Oh là, attention, le retour de voiture dans la tête là. Attention! Ah, l'élastique aussi là, le ressort qui va devenir dans l'œil. Ça va. T'en sors bien. Ok, maintenant ça, j'imagine. Ah non, à droite peut-être. Plus. Bah, je vais me faire foutre alors ça. Ah, il jongle avec le salaud. Ah non, tout à gauche. Putain, mais en même temps, à gauche, on dirait une masse qui ressemble à rien, difforme. Ah oui! C'est un mouton ou un chien? C'est un chien, non? Petite truffe là. Je sais pas. C'est pas grand-chose à mon avis. Ah oui, non. C'est rien du tout. Mickey! Alors, qu'est-ce qu'on veut? Oula. L'humanité de Dark Souls. Ah! Ça m'a toujours dégoûté ça, les griffes comme ça, hein. Les pattes d'oiseau, là. La main maudite de Mickey. Et il manque un truc. Ah, bah voilà. Ah oui, c'est pour le petit truc là. Le petit bout pointu qui ressort dans l'air. Ouais, c'est ça. Rien que d'y penser, ça m'était mal à l'aise. Genre, tu sais, je regardais l'écran en biais, quoi. Je me suis pris le ballon, puis je me suis tombé à genoux et un gars a refrappé le ballon qui a atterri sur ma tête une deuxième fois. Putain, mais le mec, sadique et gros bâtard. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Yeah, les... Là, ça clicote, là. Non, non. Il y a toujours un travail sur le sound design, hein. Dans ces jeux-là qui est incroyable, je trouve. Il veut me le voler! Ah non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Du coup, il continue sa vie? Ah ouais. Le lapin. Oh non. Pire encore. C'est de pire en pire. C'est un enfer, là. Ce design, il me met giga en angoisse.
Yes, une copine. Ou un copain d'ailleurs. On sait pas trop là. J'ai une chose quoi. Et je lui tire le bras bien sûr. C'est ce qu'on fait hein. Ah. Rien n'est prévisible en fait. Il est pas giga content là. J'ai un cube. Qui s'est rétréci, un bouillon cube. Ah, pour le Rubik's Cube. Et maintenant il faut que je le fasse. Arrêtez. Non, c'est bon. Ah, c'est comme ça les Rubik's Cube chez eux. Oh, attention, concentration. Arrête. C'est celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Ça te fait rire ça. Maintenant il se tape une... Bah... T'es un tricheur, c'est... Mais oh, oh je suis pas fou là, si. Sur celui à gauche. Ah bah... J'ai tenté du coup. Là il était vraiment à droite. Je te hais en fait. C'est juste moi qui m'étais planté tout à l'heure. Et en fait, il met le doute. Là, j'ai même pas regardé. Non, mais je pense que c'est faisable. J'ai juste mal vu à chaque fois. Allez, concentration. Tu fais rire, ça. Mais là, quand même. Possible. Mais c'est ça, ouais. Disney serait capable de porter plainte pour le bras de Mickey, là. Envie de l'enlever son chapeau. Voilà. Voilà. Tricheur menteur, reste dans ton Rubik's Cube. Ah. J'étais pas prêt à ce bruit. C'est aussi une table de son ce jeu. Salut Zephira, comment ça va? Yes. Bienvenue, hein. C'est quoi comme bruit, ça? J'essaie de penser à chaque fois comment ils ont créé les bruits. Mais là, il y a des fois, c'est chaud, quoi. Peut-être une chèvre, un petit peu, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour qui, ça? Parce que ah, ouais, c'est là. C'est le dernier truc qui manquait. Et il faut faire quelque chose avec, j'imagine. Oh. Ok. D'accord. Doulou 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 doulou. Allez. Du coup c'est bon? Pour un? Faut que je fasse pareil pour l'autre, non? Au moins, il est agile, quoi. Oh! In extremis! Allez, allume-moi ça. Lequel en premier? Oui! Oui! C'est ça mon Greg. Ça, c'est un peu éclairé, enfin un peu trop lumineux peut-être, par contre. Ça faisait un peu penser à ça, pour le coup, l'ambiance, la danse avec ce genre de musique. Ok. Oh. Le balloons. Attention tout de même. Attention tout de même. Il est en enfer ce gamin, c'est un truc de ouf. Bonne soirée Livichou, bonne chance. Marathon Scream, il y en a pas genre un qui est bon? Baller. Balleux. J'espère qu'on va pas faire ça avec tous les jouets qu'on a quoi. Tiens, c'est quoi un petit bonbon non? Pour célébrer cette victoire. Top 1. Oula. Ah non, pas du tout. Mais je suis hanté!
Putain, mais je leur avais pris des bonbons super bons aux gamins et personne n'est venu sonner, quoi. J'ai envie de crever. J'en avais pris des Mawam. T'es pas foutu d'eux, quoi. Non, pas dans l'eau. Oh, le bruitage. Il y a un truc qui... On dirait autre chose, quoi. On dirait les chiottes, un peu. Ok, les cheveux, faudrait que j'essaye un jour. Ah, bah voilà, un peu de paix. Télétobies un peu, non? Allez, on se lève. J'ai des bonbons super bons à manger. Exactement ma philosophie. Parce que j'étais pas sûr que des gens viennent en réclamer. Donc comme ça, là, j'aurais des bons bonbons sa mère, comme on dit. Rends-le, en fait. Juste. Petit leak de ton adresse, il n'y aura plus de bonbons. Super méchant ce lapin en fait. Il faut que je fasse ça aussi, non? Mais comment atteindre le truc, c'est ça? C'est quoi ça? Ah yes! Oh! Je peux la replanter un peu où je veux. Super méchant du coup, mais ok. Oh, il veut la carotte. Ok. Ah là, faut courir. Non. J'ai perdu ? Ah oui, on peut perdre quand même. On peut tout de même perdre. J'ai un problème maintenant, Scary Movie, c'est meilleur. Mais exactement. Moi aussi, Scary Movie et Scream... Ça se mélange dans ma tête. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. J'achète des bonbons le lendemain d'Halloween. Ouais, bon. T'as pas trop compris le concept, je crois. Juste. Ou alors tu l'as trop compris, mon salaud. Bah, là-dedans, du coup. Oula. Ok. Du coup, il va sortir de là. Ils savent bouger ou pas? Non, ils bougent pas. Hein. C'est vrai, tu dis n'importe quel animal de compagnie, il finirait comme ça si on lui donnait assez à bouffer pour qu'il soit comme ça. Chapitre du Da Vinci Claude. Adieu. Comment il l'a dégusté. Ah mais là c'est chaud non? C'est grand en fait, ils sont trop loin. Ok, donc il faut plus de lapins, plus de... Enfin qu'ils soient mieux placés j'imagine. Je vais pouvoir les bouger en fait. Ah, non. Ils sont où? Il n'y a absolument personne. Ah, ok, il faut que je le mette sur moi. Ah, et là, ils vont me suivre. Bien! Un pour toi. Un là, déjà. Il me faudrait une autre carotte SVP. J'ai envie d'y rester 30 ans, c'est trop chelou de tourner comme ça là, ça me... Mon cerveau comprend pas trop là. J'ai l'impression d'être dans une station spatiale, t'es en rond là. Du futur. Ah, il m'a rattrapé vers là, il me semble. Hein. Enjoy ta bec danse. Bip, 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 bip. Bon, j'espère que ça a marché, parce que c'est un peu long de setup. Le reste, c'était pas chelou, non, c'est vrai. Bon point. Donc du coup, il faut que je fasse tout le tour de la map jusqu'à arriver au trou duquel il sort.
Je sais pas ce qu'elles disent. Si ça se trouve, elles disent quelque chose qui fait un peu réfléchir, quoi. Vanguard, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, Mass Effect aussi, c'est pas un peu ça. Je sais plus quel endroit. Citadel, non? C'est pas ça? Ici, peut-être? Non, mais viens là, vraiment. Comme ça? J'ai envie de dire let's go, là, non? Parce qu'après... Une fois qu'on arrive là, il mange celui-là. Est-ce que ça me laisse... Ça me laisse le temps, là, non, après? Easy. Ça va être peut-être tendu, mais bon. Vanguard était très cool, d'ailleurs. Gameplay très sympa, très novateur. Ah non, il faut que je se rapproche. On part forcément de là, donc. Ouais, je sais que c'est dans Mass Effect Citadel, mais je pensais que c'était un... Non, c'est pas un anneau. J'ai pas assez joué à Mass Effect pour savoir. J'avais fait le 2 vite fait, mais je l'avais pas fini. Son appétit ne connaît pas de limite. Ah, je vais me faire défoncer, là, non? Allez. Oh, ça le fait. Oh, ça le fait easy, en fait. Hop. Oh. Oh. Et là, on se réveille dans la carriole de Skyrim. Oh non, pas encore. Oh mon dieu. Je vais finir en chicken dinner, là. Regarde ces trucs avec l'armure où tu glisses de partout, tu fais des drifts. Ok, je crois que je comprends, il faut tous les amener à faire ça, non? Oh! Pourquoi tu fais ça? Super méchant. Le portail! Attends, mais là je vais mourir si je fais ça, non? Je peux pas interagir avec. Attention! Ouf, on sait jamais, on sait jamais! Oh là! Ok. Mais où sont les autres lapinous là? Ah, Vanquish. Voilà. Ouais, bon, c'est pareil quoi. Ok, donc. Je sais pas, je le mets où? Je le mets là? Il y en a un seul. Mais maintenant, je peux peut-être réinteragir avec la grosse carotte. Maintenant qu'il est plus dessus. Mais elle me paraît gigantesque pour être sortie, non? Du sol. Le bouton de guillotine aussi qui est beaucoup trop content d'exister, juste. Je peux pas là. Faut que je sois aidé. De tous mes compatriotes. Bah, je sais pas. Je peux pas. Si. Oui. Eh ben, on va essayer. Mais je vais crever, je pense. Le retard sur le Go Cinematic Universe, oui. Mais c'est moi les rediffs, là, je viens à peine de les transférer de Twitch à YouTube. Faut que je sois plus réactif sur les rediffs. C'est terminé, là. Trick or treat. Ah, mec, j'ai plein de bonbons. Si tu veux passer, franchement, je t'en file. Merci pour les 2 ans. Si tu veux venir jeter des œufs sur ma... Sur mon immeuble. Oui, 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 oui. Trick or treat. Enfer. Ça me fait rire. Alors, du coup, j'ai envie de te mettre là et d'essayer de te découper en fait. Ah oui, c'est bien mis dessus là. Alors vraiment, les pires lapins qui n'arrivent pas à déterrer les carottes eux-mêmes. Aucun sens de survie, quoi. Je vais regarder tranquillement sur Twitch. Oui, oui, non, mais faudra quand même que je le fasse. C'est cruel, là, ce que je suis en train de faire, en vrai, c'est ouf. Ah non, trop bien, d'accord. C'est comme ça qu'ils sont créés. Ils sont libérés? Non. Ah si, voilà. Et maintenant, j'en ai 2.
Mais oui, bien sûr. Et les deux vont essayer de soulever le truc, mais ce sera pas assez. La grosse carotte. C'est quoi l'idée? C'est... Ça va faire tellement mal. Ça a aucun sens en plus. C'est comme si, genre, pour aider quelqu'un à tirer un truc, tu l'attrapes par les cheveux et tu tires sur ses cheveux. Attends, je t'aide. C'est moi un sup. Oui, oui, oui. Alors, lequel aura le privilège? Ok, aucun des deux. Ce sera le rouge, d'accord. L'armée rouge qui se multiplie. C'est comme ça qu'on fait les bébés. Voilà, là ça commence peut-être à être bon. De toute façon, après, je crois que j'ai plus de carottes, non? Là, je vais les aider. Voy a ayudarlo. Oh! Attention! Allez! La chaîne de l'amitié, là! Oui! Je veux pas être dessous, quoi. Où elle tombe, là, par contre. De 6 tonnes. Pourquoi ça fait ce bruit-là, quoi? Pourquoi dans la vie, ça fait pas des bruits comme ça quand tu tires des choses et tout, quand tu touches des trucs? C'est elle qui joue la musique? Depuis tout à l'heure? Elle a l'air tellement heureuse, ça me fait de la peine. Oh, non, tu peux pas. Arrête, non. T'es un malade. Oh, et je force, quoi. Yeah, comme il est content. Yes. Ah oh, bah là, je pense que l'autre, il a un festin de Roy. De Roy, quoi. Je peux pas y sortir, hein. Ça suffit, ça, j'espère. J'ai pas envie de mourir et tout recommencer. Ils sont pas mal les énigmes. J'avoue, c'est sympatoche, quoi. Elle était pas dorée, cette cloche, avant. Mais là, ouais, c'est bon, je vais y arriver. C'est assez proche. Tu peux m'amener du tacos aussi, Xanagi, s'il te plaît? Tout goût tacos. Mais non, mais là... C'est trop. Ah non. Ah! Ah, il crompe, hein. Ah, regarde-le, là. Oh, le gourmand. Est-ce qu'on le guillotine? Non. On prend pas le risque de guillotiner. Oh là 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 là, c'était limite, hein. J'ai eu un soupçon à un moment. Est-ce que j'ai oublié de mettre un truc? Mais non, ça va. Oh non, mais ça va. On va le faire 100 fois, par contre. Vous allez mourir, je le sens. Dans d'atroces souffrances. Pardon, eux, je peux carrément les porter, quoi. Plus de respect. Voilà. Ah! Ah, puis ça fait rire tout le monde, quoi. Et après, j'en fais quoi du cadavre, hein? Lui, là, qui danse. Non, je peux pas les accrocher. Les hameçonner, quoi. Il y en a un, j'ai pu lui éclater la tête, mais pas les autres, c'était arbitraire, non? Pas un peu gratos quand même? Aidez-nous tous à lever la guillotine! C'est un effort national qui est nécessaire. Si vous voyez le petit champignon qui a un smiley là sur. Ici. Ça est, Amurkan. Oh, t'as cause différentes nourritures. Ah, mais dis-le pas trop fort parce qu'il y a Xanagi là. File des bons becs et on verra pour partager. Bah, super quoi. Chantage toujours. Bah oui. Viens y chercher, mec. Putain, y'a un vinyle là. Alors la zone. D'accord. On n'en fait plus de la musique comme ça, je peux te dire. Oh, mais ça swing ici! Oh non! Oh là, il n'a pas supporté. Je comprends. Rate sa gueule. On a un peu envie de les avoir en animaux de compagnie quand même, on va pas se mentir. Oh, et le corbeau en haut. S'il nous fait le corbax. Oh, deux corbax. S'il nous font. Ok. Et là, je peux vraiment faire ça. Ah non, je peux plus prendre lui.
Il veut plus bouger. Ok. Oh. Mais c'est un truc de ouf, je suis en train de tous les massacrer quoi. J'ai jamais demandé ça moi. Ok, là il y a une autre guillotine. Il y a un bouton. Oh! Ils ont une star! On va leur redonner une star, j'imagine. Putain, le talent quoi, c'est. La France a un incroyable talent. Tu t'en sors bien. Bon, on va voir chacun. Chacun doit avoir un talent, c'est ça? Celui qui va être nul va être guillotiné. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés sur TF1. Ou M6, je sais plus où ça passe. Oh le jongleur. Mais tricheur un peu là. Il y a juste des pouvoirs quoi. Elle est trop bien la musique en vrai. La musique en fond là. Mais c'est pas un pouvoir ça d'être méga musclé. Enfin c'est pas... Ok. Bah lui il va pouvoir m'aider à faire des trucs durs non? Ah ça. Voilà, parce qu'il est musclé as fuck. Je crois qu'il suffit d'être lourd là, hein, plus que musclé, mais bon. Merci du coup, Tamurkan. Eh bah vas-y. Enjoy les subs, ceux qui en ont reçu. Angra les mdork. Je crois pas les avoir vu dans le chat, donc... T'auras pas de remerciements de leur part. Deux guillotines prêtes, mais... Toi, je t'adore. Tu peux continuer pour nous. Pour nous tous, pour la France. Bon, l'autre, il va sortir d'ici. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il veut pas le lâcher. Mais j'avais même pas vu qu'il y avait une troisième guillotine, c'est incroyable. Guillotine. Ça va être très facile. Non, mais je veux ta peluche, je suis désolé. Attends deux secondes. Il veut absolument être là par contre. Il faut couper des fois le lien. Ah non. Peut-être si je le mets là-dessus. Sont extrêmement contents d'avoir une piscine, c'est assez fou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Dans l'eau. Ok. En vrai, ce que je suis en train de faire, c'est juste les disséminer un peu partout pour que l'autre il les bouffe et que ça le ralentisse, quoi. Eux, ils croient que je les aide à s'amuser, mais... Et je veux absolument ton ours à toi par contre. Je souhaite, je désire quoi. Ah, il y en a un qui a une balle. Et vous pouvez vous battre. Non. Ok. Ah, l'angoisse. Oui bon ça arrive. Putain, j'avais jamais fait ça depuis le début, je peux jouer sur le lit quoi. Il n'y en a pas un qui va aller dormir? Non. Bon bah je sais pas, je vais... Je vais déclencher le truc mais... Comme ça on va voir un peu ce qui se passe. Il y a juste une guillotine, il faudra que j'actionne manuellement non? Oh là mais c'est un enfer là. Ah merde, mais ils opposent aucune résistance. Oh! Y'a quoi dedans? Y'a des cadavres de moi. C'est incroyable. C'est angoisse. C'est affreux. Le contenu. Comme le contenant. Oh la pince! Mais là, je vais crever, non? Personne pour activer le truc. Oh non, ça s'arrête comme ça, là? Aïe, aïe, aïe. Il y en a une que j'ai pas bien setup. Ouais, bon, ça arrive après. C'est quoi ce jeu démoniaque? Oh, rien de... Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un jeu qui s'appelait Chuchel. C'est les mêmes créateurs. Oh yes, ils gardent la progression, mais je vous aime tellement, les devs, là.
j'adore en fait. Alors ça, comment ça marcherait du coup là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est bon. Mais il fait quoi avec son ballon déjà? Je sais pas. En fait, je pensais que je pourrais l'activer manuellement, moi, la guillotine. Pas lâcher la balle que les deux là ils échangent. Ah, je l'attrape en l'air et voilà. Voilà ton nounours là. Saloperie, va. J'étais si content de lui voir son nounours, c'est terrible. Et là, comment est-ce que je pourrais. Souvent, c'est quand même des trucs qui sont juste à côté donc. Du coup j'ai ça. Mais en même temps ils méritent un peu de mourir parce qu'ils trouvent ça drôle quand leurs potes ils meurent quoi. Du coup je me dis, l'un dans l'autre je fais rien de mal à les tuer. C'est des êtres démoniaques. Et non je peux pas m'en servir de ça. Attention, on va pas se guillotiner quand même tout seul. Ouh aïe aïe aïe. Ça arrive trop souvent. Ah. Ok. Ouais. C'est un peu dramatique hein, si genre les bébés humains ça faisait ça quoi. Dès que c'est contrarié ça explose. C'est beaucoup d'efforts pour beaucoup de risques. J'avoue le rêve de la course au ralenti, le fameux. Je vous avais raconté ou pas? J'ai eu un rêve moi beaucoup plus terrible. Mon plus terrible rêve. Mon plus terrible cauchemar. J'ai rêvé que j'allais genre au ciné et qu'il y avait un mec déjà qui contrôlait les tickets devant la salle. Mais enfin, en fait, c'était bizarre. Il contrôlait les tickets dans une salle de ciné déjà, tu vois. Et après, t'allais dans une autre salle pour voir le film, ça n'a aucun sens. Du coup, donc, je vais dans la salle et le mec, en fait, prend les cartes d'identité des gens et les permis, tu sais. Et il pose des questions, genre, pour vérifier, tu vois, que c'est toi. Et je me souviens, genre, il pose une question, je me souviens plus exactement c'est quoi, mais tu sais, c'est un truc débile, en mode... tu sais, c'est comme si sur la carte d'identité, il y avait une case fun fact, le jour où vous êtes né, il s'est passé ça dans le monde, tu vois. Et il me demande, ah, il s'est passé quoi le jour où vous êtes né, tu vois, ou un truc comme ça, qui n'a aucun sens. Et du coup, je sais pas répondre. Et donc, le mec veut pas me laisser rentrer, et genre, vraiment, legit, la suite du rêve, j'ai l'impression que ça a duré, genre, 4 heures, tu sais. Où j'étais juste dans la salle avec lui en train de me prendre la tête et de lui dire mais putain je veux rentrer quoi. Je veux aller voir le film, tu sais. C'est bon quoi, genre c'est moi, tu sais. Et c'était ça, et genre franchement, il y a un moment parce qu'en plus attention, j'étais bloqué dans la salle parce qu'il y avait des vigiles genre. Tu sais, c'était genre les gens qui n'avaient pas pu rentrer dans la salle comme moi. On était tous là et il y avait des vigiles qui nous empêchaient de sortir, tu sais. C'était insupportable, j'étais tellement vénère. À un moment, je sais plus comment je fais, mais j'appelle, je crois que j'appelle ma mère. Et genre, vraiment, limite, au téléphone, je hurlais et tout, tu sais. Putain, mais ce mec-là, c'est ouf, quoi. C'est un scandale, il faut le crever et tout. Franchement, j'avais jamais été aussi vénère dans la vie réelle, tu vois, même. Et genre, je me suis réveillé juste par la colère, quoi. Ça m'était jamais arrivé. Je suis réveillé énervé. C'était horrible. C'était vraiment horrible comme rêve. Alors que franchement, enfin, tu sais, je me vois mal m'énerver pour tout ça et tout, mais bon, ça avait tellement aucun sens là. J'avais vraiment le ressenti, tu sais, super lent quoi. Super lent du rêve. Comme quand t'as une heure de perm, tu sais, au collège ou au lycée, tu sais. Quand une heure ça te paraît extrêmement long, ou deux heures, tu sais, ou une après-midi, y a un prof qui est pas là et toute l'après-midi tu dois rester là. Ça faisait un peu ça. Sauf qu'en plus t'es vénère parce que tu peux pas rentrer et que genre, tu sais, tu veux juste aller voir un film. C'est tellement absurde quoi, qu'on contrôle ton identité pour aller voir un film. Le mec était tellement méchant en plus. Tellement mesquin, tu sais. Ah, mais je peux rien faire, c'est comme ça, on peut pas vérifier que c'est vous. Genre le mur, tu parles à un mur, quoi. N'importe quoi. Tu m'envoies que j'ai fait un rêve comme ça.
Donc lui il jongle avec sa tête. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec le jongleur de tête là. Non parce que je peux pas vraiment l'amener où je veux. Toi tu sers à rien toi. Tu fais quoi toi? Ah oui tu chantes, ok. Ouais, d'accord. Mais comment je fais là? En vrai j'aurais préféré un rêve où je dois courir et on veut me tuer. Plutôt qu'un rêve où j'ai envie de tuer quelqu'un. Peut-être avec le Ti Fortou. Non, parce qu'ils vont revenir là, ouais, c'est ça qu'ils font. Bah, je sais pas, putain. En vrai, là, je sais pas, vous avez une idée? Je suis ouvert là. Il est encore en vie, mais. Je peux pas le tuer en le lançant. Peut-être avec ça, on peut refaire quelque chose. Non. Cette haine de. des poinçonneurs du cinéma qui a couvé des années. C'est ça en plus, je sais pas d'où vient le rêve parce que je voulais aller au ciné cette semaine, au final je suis pas allé. Je pense que c'est ça, c'est juste la frustration de pas y être allé. Faire tourner la balançoire. Genre ça va le lancer là-haut. Oh, je peux plus rien faire, ah si. Je sais pas. Ok, il fallait un mouvement efficace quoi. Bien vu. Voilà. Alors on est prêt. Yes. Oula le. Ouah, le visuel là. Saturation 1000. Salut Pamplemousse. Ça chill ou quoi? Un cauchemar à l'intérieur de ce machin. Pour la peine, je vais prendre un bonbon. Je sais plus à quoi ils sont les blancs. S'ils sont au coca, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, je touche pas à ça, moi. Bon, bon, coca, ils sont malades ou quoi? Le pire goût, en fait. Je suis au boulot, putain, mais oui, mais grosse force à toi, en vrai. Moi aussi en soi, hein. Là c'est boulot quoi. Putain, elle continue, mais elle est incroyable cette griffe. En vrai, il y a un scénario catastrophe dans ma tête, c'est genre. Les enfants essayent. Genre, il y a vraiment des gosses qui sont venus sonner chez moi, mais j'entends pas parce que j'ai le casque et je suis en train de streamer quoi. Ok, le soleil. Donc là, je vois l'après un petit peu de ce que j'ai fait, quoi. Tiens, toi, je te plante. Non, je peux pas te planter sur le crochax. Ok, bah, bonne ambiance, du coup. Est-ce que je reviens là? Pour kiffer, juste. Ah, yes! Le smiley. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Allez. Se sentir bon là-dedans. Oh là là, on dirait les bacs de coussins smiley. Dans les magasins, genre. Ce fameux coussin du smiley qui pleure. Oui, les corbeaux là, clairement, ça devrait aller. Ok. Je peux interagir avec. J'ai pas envie en fait hein, d'interagir avec ces trucs là. Pour être honnête. Le coup taxe. C'est un classique, mais je deviens un méchant de slasher quoi. De film d'horreur. Michael Myers. Ah, désolé, je vais t'ouvrir. Je le sens. Oh.
Ah ouais, non mais là il mérite. Avec cette tronche. Ah il me prend. Il me prend pour l'un d'eux. Ah mais regarde, il me bute. Si j'étais pas habillé comme ça. Oh, il m'aurait buté. Aïe aïe aïe. Attends, monsieur, ils vont me remontrer ça, non? Ils ont besoin d'un couteau, c'est ça, pour le manger? Ouais, j'en ai un, les potes, ça tombe bien. Alors, j'avoue que je ne m'amuserai pas à essayer de... Ah, faut donner au bon. Ah, je sais pas si je donnais au bon. Si je donnais à lui, il butait celui à gauche, non? Alors que lui, il fait que le planter, genre gratos, d'ailleurs. Lui aussi. Ah, peut-être que lui, il tue celui à droite? Non, je crois que celui à droite, il va tuer celui à gauche, hein, si je lui donne. Alors. C'est juste moi qui pense à mal. Ouais, non, je pense à mal, vraiment. Oh, un gâteau! Ok. Celui du dessus, peut-être? Pour le Gatax. Bienvenue à Gataka. Pour Saint-Valentin, j'ai acheté un coussin smiley pour mon ex. Allez! C'est l'un à la dague. Oh. D'accord. Merde, je refais la même chose. Mais pourquoi il est pas resté en Gatax? J'ai l'impression de vivre un trip, mais de ouf, ça résume bien le jeu. Hein. Un bad trip, quoi. J'ai jamais pris de drogue hallucinogène, mais j'imagine bien un mauvais trip comme ça, quoi. Je sais pas à qui le donner. Oula! Pas du tout effrayant. Bon, alors je l'ai donné à lui, il avait fait quelque chose, donc après, y'a pas une étape 2 là. Voilà. Et il me faut d'autres couteaux, juste en fait. C'est ça mon vrai problème. Je n'ai pas assez de couteaux. Il m'a planté un couteau dans le cœur. Faut faire dans l'ordre. J'ai pas fait dans l'ordre tout à l'heure. Oh, il y a une fourchette. La forchetta. Allez. Eh bah, faut pas donner et après vouloir reprendre, quoi. C'est bon. Ok. Non, tu peux pas. Ah bah putain, il y a tout. Incroyable. Il va pas me donner autre chose. Il va me donner toute ma cuisine. Je viens d'emménager. En plus, j'ai plein de trucs, là. Alors, du coup, ce serait la main du haut qui prend. L'autre, il va saler le gâteau, là. Parce que t'as pas le droit de mettre du sucre dans un truc comme ça. Enfin, t'as le droit, mais bon. Pour moi, c'est le sel, quoi. Fais ce que tu veux, hein, si tu veux être un... suppôt de Satan. C'est bon, là, non? T'imagines Mix. Petite dosette Nespresso. Avec la machine. Nom nom nom. Ok, mais pourquoi je l'ai satisfait comme ça? Qu'est-ce que je gagne en échange? Il dort? Il fait rompiche? Ah. Ok, là il se tue, parfait. Nickel, ce que je jouais depuis le début. L'autre il se sale la tête. Et l'autre, il plante la forchetta. Voilà. Voilà son vrai plan machiavélique à mon personnage. Pourquoi j'entends des synthés? C'est des mecs avec des violons qui sortent. Ok. Est-ce qu'ils vont me suivre? Je pense, hein. Ok, ouais, il me suit. Plus rien ici. Vous pouvez peut-être enlever ça pour moi. J'y croyais pas une seule seconde. On va aller à gauche. Attends, mais... Ouais. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Ok. Bah... Je vais pas aller par là du coup, j'imagine, non? Je suis forcément à droite. Je vais crever.
Les musiques sont très agréables, hein, franchement. Très relaxantes, même, oserais-je dire. Allez, là, faut faire de la barque. Yes, nickel. Et ils vont me pousser, bien sûr, c'est ça. Faut vraiment juste sauter dessus pour le coup. Ah, d'accord, non, il y va sans moi, quoi. Le soleil caniculaire! Ok. Il y en a un qui me suit encore, pourquoi? Oh, c'est moi! Non, oh, reviens! Ah, je peux suivre. Je croyais qu'il y avait un mur. Pas de smiley! C'est un peu la... Ah bah... pas s'enlever ça de la tête du coup parce que là peut-être un signe de pas le garder quoi. La gueule putain. Bah oui mais t'es allé droit dedans. Aucune patience pour ça lui. Je peux pas l'enlever non. Je le vénère quand je le touche. Non mais là il va me buter. Il y a pas un truc avec lequel interagir. Ah bah. Vous pouvez pas m'enlever la tête genre. Non. Ça aurait été pratique. Oui non mais c'est bon. J'ai compris. Moi le lundi. Monday motivation. Ah oh merde, bon. Ah si, c'est bon, c'était ça. Une tête de plus. Ah oui, et maintenant je continue sous une forme rondelette. Sphérique. Sous forme ballon de foutaise. What the fuck? Ah oui! C'est un match. Il est éclaté. Oh les vous êtes là. Hey, tu peux le faire non? Ok, complètement nul. Oui oui. Oh là, y a pas le mec de Roland Garros là? Qui fait pop 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 pop. Je sais pas là, qu'est-ce qu'il veut. Beaucoup trop chaud le commentateur là. C'est un enfer pour les oreilles là. Ce que je suis en train de faire. Oh non, on va se taper qui court comme ça. Ah non, ça va. Ah d'accord, ok, j'ai compris. C'est plus Mbappé dans un péno. Violence. Ah ouais, non mais là je l'ai bloqué dans une position délicate là. Allez, putain. J'ai appris de la pire des manières. L'état d'esprit des devs qui ont fait le jeu. Ah bah clairement là il y avait quelque chose quoi. Il y a quelque chose qui tournait dans le bureau. Je pense que je vais devoir tirer tellement fort que le tri va être propulsé avec la balle, le goal. Puis après je vais retirer pour revenir sur l'histoire qu'on nous a racontée tout à l'heure. C'est quelqu'un qui s'est fait tirer dans la tête deux fois. Regarde là, alors il va prendre cher. Oh là là. Ça tourne mal là quand même. Hein. Mais ils aiment bien ça. Une sorte de foot de contact.
Renvoie-la pas trop loin. Ouais, c'est bon. Et tu vas la prendre bien fort dans ta tête, là, non? Oh non, pas assez. Deg. Bon, alors du coup, il faut faire une manœuvre. Non mais... Respectez-moi. Voilà, là, on va être bien. Oh là. Là, il va être brisé en mille morceaux. C'est quoi? Tellement que j'en prends un bonbon. Allez, faut pas trop non plus me chercher. Encore une fois. Il va être beaucoup trop loin là, non? J'ai abusé. Oh, mais alors là, jamais fait un truc aussi proche là. Un peu d'encouragement dans la foule. C'est que ce cri là. Mais il a des bras qui sortent des yeux. Goal. Eh ben allez, let's go. Continue mon petit bonhomme de chemin. Je suis content d'avoir pu vous rendre heureux, d'apporter le bonheur comme ça où je vais. Bon, des fois c'est la mort quoi, ça dépend. À la tête du client, des fois j'apporte le bonheur, des fois la mort. C'est reparti. Ah bah... Possible ça. D'où tu sortais toi? Ah. Oui. Allez, le prochain. C'est vraiment le fordisme. Prochaine étape de la chaîne. Ah, je tire la langue. Oui, la langue. Oui. Oui. Là, il est vénère. Du coup, là, il va vouloir me... Ah non, les yeux peut-être maintenant. Voilà. Et c'est... Voilà, c'est aussi... C'est une critique de la colère. Attention à la colère parce que ça... Ça a des effets, quoi. Ça le fait rire, ça. Ça, ça l'amuse. Putain, on dirait les pulls. Du coup, je peux passer, là, non? Il est amusé. Ah non. C'est vraiment les pulls, tu sais, quand tu veux les resserrer. Là où c'est grave drôle. C'est le chatouiller en même temps, ça. Hein. Il ne reste plus que sa bouche. Hein. Pour rire, du coup. Allez, les dents. Ok. Je sais pas ce que je suis en train de lui faire là, mais. À force de mâcher du chewing-gum, ouais, il va perdre ses dents, là. Oh! Ah! Ouais, bébé, va. Moi, j'ai juste ruiné sa vie, c'est ça? Lui, on le tue pas, lui. Ok. Mais il a plus rien, quoi. On aurait peut-être mieux fait de le tuer. Oh! Il a apprécié. Let's go. Ah non, ma peluche. C'est vraiment un cauchemar similaire à Chuchel. Ah mais pire là, parce que là en plus c'est vraiment horrifique quoi. Chuchel c'était juste... c'était bon mood quoi. Alors que là... Putain, ils sont créatifs quand même dans les visions d'horreur. Oui, je le veux. Bah tombe pas là-dedans, c'est la... Bah non. Bah oui, mais tu tombes dans le truc classique quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des smileys partout, donc en soi, c'est pas forcément mauvais mood, quoi. Alors que là, il y a plus de smileys. Hein. Oh, le combat. Ah, mais ça, c'est l'esprit de ma chambre, non, méchant, là. Ah, là, c'est plus du tout bon mood, là.
Ah, une omelette. Du fromage. Smiley. Ok. Ah, j'ai créé un être vivant. Oui. Je vois mes yeux que cela. Ça te chill bien, ouais, un petit oiseau. Ah, c'est Halloween, hein. J'en fais un être... étoile de Meresque. Ok, bon. J'avoue que je vois ça dans la mer, je suis quand même pas bien, quoi. Ouh là là. Voilà le vrai visage de vos smileys sur MSN. Vous êtes content d'en utiliser ? Putain, mais il a déjà un cancer. Il n'arrive plus à respirer déjà. Il va exploser à force, hein ? Vous a envoyé un whiz. J'adore ça. C'était ça le mot whiz, c'était pas POC. Du coup, Tamurkan, je suis désolé si je t'ai pas. Merci pour ton sub à toi. Je t'ai remercié pour les dons de sub que t'avais fait, mais merci en tout cas. Pour ton sub aussi. Et. Ok. Tout va bien donc. L'époque c'était Facebook. Aïe aïe aïe. Les whiz quoi, c'est tellement mieux comme mot. Enfin, Facebook. Meta, tu veux dire ? Pour toi, tu parles sinon. Eh, donnez-moi ! Donnez, donnez ! Donnez, donnez, donnez-moi. C'est horrible. L'intérieur des smileys, vraiment. Je verrai plus les smileys pareils. Hein. Oui. C'est en effet une boîte d'allumettes. Oh, tout cramé. Yes. Of course. Petite brochette. Oh non, il se fait son... Oh la salaud, il se fait sa guimauve. Deuxième, non? Non, vraiment un seul, hein. Ok. Rituel païen, un peu. Le tri regarde comme ça avec grand intérêt. Bah, je sais pas, moi, faut vraiment attendre son agonie jusqu'à ce qu'il soit cuit. Ah non. Je l'ai libéré. Ah, celui-là, il dit rien. Ah, si. Bah, je sais pas, moi. C'était l'époque d'internet de l'époque, à l'époque, on n'avait pas que l'époque. Oh putain. Merci Norman. Merci des proches. Je suis sur Meta depuis 2016. Alors. Ça me fait penser à. À Stellaris là, quand t'as des. Une race mi-homme, mi-robot là, il s'appelle les Meta, plus le nom de ta race. Enfin, sans vouloir vous insulter, hein. Meta Zuckerberg. Bah, je sais pas, il y en a un bon à mettre. Attends, je vais comprendre, hein, mais. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, il faut bel et bien faire une brochette. J'avais pas capté. Ça fonctionnait comme ça. Je sais pas comment ça se code, ça. Tu sais, les trucs comme ça, les point and click, là, je suis curieux. Mais ta mère. Oui, putain. C'est fort ça, et ça me fait rire en plus, ça qui est fou. Metazuk. Ah mais il avait bon cœur quand même. À votre bon cœur. Donne-le en fait. Voilà. Malade le quoi. Ah oui, parce qu'il avait kidnappé le cœur du smiley. Oula, moi je le relance. Ça lui a fait peur par contre. J'étais un peu trop relancé son cœur du coup. Mais bon, je l'ai purifié quoi. Je suis un exorciste un peu. Plus qu'un en haut. Ah, je préfère cette phase à la phase où on était dans le... dans l'herbe et tout là, avec les lapins.
Darkwood, mais putain, mais Darkwood, il faut tellement qu'il fasse un autre jeu, c'est pas possible. C'est trop bien. Ça veut dire quoi, mais ta mère, du coup? Nearly. Au risque de tomber dans ton piège, peut-être. C'est une lampe de l'angoisse, d'accord. C'est la lampe de papy pour aller aux toilettes, par contre, hein. Attention. Ah oui, c'est la tabatière. C'est un être vil. Il est ouf. Il a des claquettes en plus. Lui aussi il va être transformé. Non. Troisième ? Je mets tous ? Ok. Putain, on dirait les trucs de jeu au McDo quoi, les jeux pour les gosses au McDo. Si on pouvait les broyer aussi les gosses au McDo là, tiens. Ça pas de mal ça. En dedans on les broie. Et après on les met dans les burgers. Conny God avec Darkwood, allez ! Le vrai stream Halloween, ça se passe sur Castle Story. Oui, c'est la vraie horreur. Non mais là c'est n'importe quoi là, j'en ajoute plus, non ? Hop. Peut-être que j'ajoute lui maintenant. Il va faire un carnage avec les lapinous, non? Ah d'accord. Je m'attendais pas dans ce sens là, tu vois. Les lapins sont les vrais monstres. Ok. Ah d'accord. Il contemple sa création que je viens de détruire en deux secondes d'ailleurs. Bonne soirée, trop bien, excuse-moi. Je me suis endormi comme au dernier live. Non mais t'inquiète, va te reposer. Waouh. L'être aimé est retrouvé. Bon c'est bon là, j'ai le droit de vivre. Donc j'ai exorcisé. Ah bah non. Putain, salaud quoi, il veut pas me lâcher, hein. C'est un truc de ouf ça. Jamais 203, tu me diras. Je pars pour une aventure. C'est la segmentation embryonnaire, et bah écoute. Chaque jour, on est plus intelligent grâce à toi. Ça va être le monde pète les yeux, ça? Le monde pète les yeux? Je le veux, en fait. Y a pas intérêt qu'on le bute, putain. On n'a pas le droit de le trahir. J'espère que t'enjoy là trop bien dans ton lit. Qui te pète les yeux avant de dormir. Chaque jour, je suis moins intelligent grâce à vous. Ah bah ça marche comme ça l'intelligence. Si tu la partages, tu la perds. Il y a une quantité finie dans ton cerveau d'intelligence. Ça, c'est à savoir. Avant d'être prof. Parce que la gauche, elle veut pas que tu saches. Et voilà, bien sûr. On est obligé de ruiner un beau jeu. Super vénère par contre. Oh. Notre petit rayon d'intelligence. Ok. L'éclair du coup. C'est super méchant mais ok. Ah oui d'accord. Je vais le griller quoi. Fuck. Eh ben...
Ah bah... J'ai essayé tout à l'heure. Alors, maintenant qu'il est mouillé. Ah non, parce que ça me révèle le mob qui le tient. Alors. Ah oui, d'accord. Creepy boy, quoi. Donne-le, en fait, rends-le. Saloperie, va. Prends le nous. Prends ma mon yinche. Je vais passer en mode John Wick là. Attention avec les chiens. Ah. C'est des épées, des katanas autour de lui. C'est un dogo ou un cheval? Ah c'est... non, c'est un chien là, vu l'attitude et tout. Le lore de Happy Game. Ah. Mais le prochain coup va peut-être m'être fatal là, non? Je suis revenu d'une récup de panier Too Good To Go, je tiens à vous informer qu'il pleut toujours et pas juste un tout petit peu. Est-ce que t'as un parapluie au moins? On va peut-être arrêter non de le provoquer là. Bah, je suis obligé. Ça rappelle mon enfance, c'est ça. Pareil en fait. Dire qu'on laisse les jeunes jouer à ce genre de jeu mainstream là. Il y avait quoi du coup dans le panier Too Good To Go Tacos là? Je suis curieux, très curieux. Oh oui bon. Oh oui, je récupère la dent. T'imagines cette scène d'un film d'horreur, t'sais. Le mec il arrache la dent au monstre juste. Ouais mais je pense que je... En fait ce jeu là il dure pas longtemps là. Happy Game. Du coup après on pourra essayer Inscription parce que je suis chaud de le tester. Je l'ai acheté aussi dans ce... à cet effet quoi. Woody il s'appelle. Goody. J'avoue c'est bien comme nom pour un chien, Goody. C'est trop bien. Oh le bâtard, il fait une danse Fortnite. Il est content de me tourmenter. Woody. Mais je l'ai enfermé dans une cage. On est où là? On est en Bretagne avec ce temps? XD, allez. Ça, c'est une blague du gang du sud de la France. Ok, je commençais à kiffer la musique encore, mais... Le chien, je sens qu'il va transformer en monstrosité à un moment. C'est quoi ça? Attends. Oh! Oh oui! C'est ce que j'ai pas réussi à avoir pour Halloween. J'ai envie de mourir. Au moins, j'en ai une dans le jeu. Sauf qu'il n'y a pas un simulateur de. De taillade. Je sais pas comment dire le mot. De découpage de citrouille, de customisation. Ça manque ça. Je veux vraiment qu'il se vendrait que le qu'en octobre. Bien sûr. Ok. Ah yeah! Non. Ah yeah! Ah yeah! Oui, je vais pas dire ça à chaque fois, c'est bon, c'est bon. C'est le bruit que ça fait. Sinon, j'aurais pas pu passer à ça, j'étais bloqué dans une boucle. L'homme qui résout le problème avant même d'y être confronté. Oh! Je peux faire une petite danse Fortnite là. Vous la voyez celle-là en plus, j'ai cassé. Ma région n'est pas une blague et ma culture n'est pas un costume. C'est génial comme phrase. Allez!
On dirait les trucs dans le désert, là, les tumbleweeds, là, dans les westerns. Une espèce de boule de paille, là, enfin, de... toute sèche, là. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Je crois que ça s'appelle comme ça, les boules de paille toutes sèches, là, les trucs. Ah ben. Ça peut que mal se finir. J'arrive, c'est bon. Les virevoltants, voilà. En plus, le nom est trop bien, quoi. Vous avez pas ça en Bretagne, hein? Qui s'envolerait direct en Angleterre. Les fameux chants. C'est les chants de quenouilles en plus. Vous avez pas ça en Bretagne, hein. Ok, attends, remonte parce que j'ai pas bien vu. Les vols au vent avec les virevoltants. Je sais où t'es vers là en fait. Un tour en rond. Yes, let's go. D'accord. C'est The Hunter. Le chasseur. On parle bien du jeu de chasse là, la simu. Sans le fusil à sanglier, ouais, c'est ça. Mais je te vois en fait là. Ouais. De toute façon, je suis censé faire comment pour. Je sais pas, je vais remonter sur la tour, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose depuis là-bas. Sans doute, non. Il doit bien servir à quelque chose, il n'y a rien qui ne sert pas dans ce jeu. Si tu interagis avec quelque chose, c'est qu'il est utile en général. Ya yeah. Ah, salaud, bah, il survit. Arrêtez avec le chien par contre là. Oh, ça rend ouf ça. Ah oui, d'accord. Je les défonce quoi. Voilà, ça t'apprendra là. Il est marrant ce design, genre. Les cheveux, c'est aussi genre son cou et tout. Ça faisait leur cou, leurs cheveux. C'est très bizarre. J'avoue, tout mais pas les chiens, quoi. Il y a quelqu'un par contre qui avait un triangle chelou là. Le chien. Le chien. Oh putain. Non, ne battez. C'est un voyage aussi à travers les cultures, hein. Là, on est dans une tribu. Vous avez vu ça, les cheveux, c'est trop marrant comme idée. Enfin, marrant non, du coup, mais... original, quoi. Oh putain. Ils sont repartis là. D'accord, du coup ils me livrent au rituel. Ah bah enlève pas ton masque du coup. Tu veux te faire Devorax ? Je sais pas qui c'était mais bon. Enfin c'était moi mais... La fameuse culture de tribu, c'est ça. Culture universelle de tribu. J'irai dormir chez vous. J'aimerais bien mec que tu viennes dormir chez moi. Tu me fasses à bouffer un peu là. Tu aurais pas de mal ça. Faire don de toi un peu. Je peux pas me déplacer avec Ah ouais, je peux me déplacer avec les flèches plutôt qu'avec la souris. Moi je prenais le personnage et je le tirais à chaque fois, c'était un peu chiant. Dog. Dog. Oh les marées. Attention là. Ça va sortir du sol. Attention. Achtung. Voilà, alors ça, typical les trucs de randonneur que je défonce en fait.
Oula, il faut en faire un. Non, stop. Ah oui, ça la réveille, Citrouille Boy. Yaouia! Attends, enlève la petite. Il veut pas ça, je pense moi qu'il veut une formation parfaite. Voilà. Voilà, là il est woke. Il manque quoi du coup? Il manque une... Ah non, ah, il est bien. Ah, il a les yeux du chat. Ah bah il les a plus. J'ai envie de te faire bouffer ma cuisine. Mais oui, mais je veux bouffer ta cuisine vraiment. Et du coup... Qu'est-ce qui se passe encore? Le chien, il a vraiment l'air de me dire faut bouger en fait. Mais je veux pas l'écouter. La nature est magnifique. Ah oui, mais du coup t'as pris deux Too Good To Go, un sushi machin et un otakus, mon cochon, mon salaud. Salaud ! Pardon. Cette citation n'a pas été... Oui, bien ça. Le serment d'Hippocrate là, je ne mentirai pas. Serment d'hypocrite. Je vais pas tout manger ce soir. Oui, oui, il y a d'autres. Ça fait longtemps, ouais. J'avais utilisé vers les débuts de l'application Too Good To Go, mais au final j'avais arrêté parce que je sais plus pourquoi. Parce que enfin, si, parce que c'est trop chiant les horaires. C'était trop prisé à Lyon, genre. C'est impossible d'avoir des trucs, tu sais. Okay. Allez, high 5 au 5. Bisous. Ah. OK, c'est un genre Dark Souls. Jusque là, ça va. Bisous. Ok. Bon. Bisous quand même. Rien. Pas ouf. Je sais pas ce que je peux faire d'autre de toute façon que... Ah, je peux faire ça. Ah, c'est moi. Il faut lui enlever là les points noirs comme ça. Je peux pas te laisser ça sur le visage, hein. Truc gastronomique. Oui. J'adore ça en fait. Vous êtes bizarre à manger des cuisines, vous pouvez pas manger la nourriture comme tout le monde. Allez! Cuisine du monde. Littéralement des cuisines. Ah, il est content. Voilà, de rien. Il voulait juste une pierre interdite démarrer. Ah oui, se servir des cadavres de ses compatriotes. Technique de l'armée rouge, ça. Remis au goût du jour. Genre, il chante là quand tu peux avancer. Ah, ah. Regardez les mains baladeuses là. XDDDDD. Ça, ça rend pas méchant, hein. C'est des blagues de. Ouais, non, de personne en fait. Attention, ne regarde pas les lumières dans l'eau. Bisous, je m'envole.
qu'est-ce qu'il dit, lui? La pierre. Pierre Ponce Pilate. Ok, lui il voit un truc, il monte dessus. Hein. Et non, ça descend. Bon, là, c'était fait pranker là. Ah oui. C'est chiant ça, quand ça arrive. C'est quoi ça? Encore cauchemar matériel ça. Hein. Ok. Ah! Il a ma tête. Ok, j'imagine. Je l'ai fait là. Ok. Je peux bouger moi? Non. Oui, oui, oui. Ça, il fait quoi quand il fait ça? Il met en boule là. C'est très étrange. Aucune idée ce qu'il faut que je fasse là, c'est terrifiant. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette, je te hais en fait, vraiment. Je vais avoir en tête, super, belle ambiance. Mais là ça fait... quoi? Si je les touche en haut, ils se désagrègent instantanément. Sauf lui, qui se met en boule. Et là je peux les prendre, donc ça va se jouer en bas. Ça sert à quoi quand je fais ça? Tu vois, quel intérêt? Suzon. La Suze. Comment on l'appelait? Ouais. Lui, il veut attraper quelque chose, mais... Ah bah voilà. Ok, bon. Très bien. Et donc là, je le jette dans sa bouche. Nom nom nom. Oula, pas nom 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 du coup. L'inverse. C'est bon, il a compris, le streamer franzosisch. En la boca también. Un petit dernier. Alors ça, c'est comme les cahuètes hein, quand tu commences. Alors? Yes. D'accord. Et on va dessus parce que bon. Notre confiance. Ah non, alors on va ailleurs. C'est horrible. Ce design là est incroyable encore. Dégueulasse. Un œil. C'est un distributeur. Un distributeur d'œil. Incroyable. Je vois bien il mangeait lui. Don't eat the tête. C'est bon. Ok. Combien je t'en donne? Est-ce que c'est une question de quantité ou juste il faut pas faire ça? Lui là-haut, je sais pas ce qu'il raconte. Ah. Il n'y en a plus? Tête en pierre quoi. Ouais, je sais pas, il a mangé tous les... Ah d'accord.
Là, ça marche. Très bien. La perfide Albion de l'Est. Bien dit, ça. Hop là. Je parle plus allemand, ça me dégoûte. Soit tu termines le paquet, soit il termine, c'est exactement ça. Les pistaches là aussi. Ton oncle avec les pistaches, nomme un duo plus iconique. Genre le bol de coquilles plein là. Ça, on dirait une fin d'animé ça. Une arène genre. Je pars 3 minutes, t'es devenu une simple tête. Oui non mais de toute façon t'inquiète pas. Hein. Je pense que t'avais déjà vu des trucs pires que ça sur le jeu. En fait tu peux pas arriver dans ce jeu là et pas voir un truc bizarre quoi, choquant. Mon oncle avec le racisme. C'est vrai que c'est sans fin ça aussi. Enfin je connais pas ton oncle hein, mais... Ton furoncle devrais-je dire s'il est raciste. Eh, des petites mains. Un petit raptor. Ah, je suis là. Mon padré avec les pistaches. Ça, c'est un truc de ouf, les pistaches. Hein. Et puis, tu sais, genre, les vieux, ils mangent ça. Enfin, les vieux. On a bientôt leur âge, quoi. On a la moitié de leur âge. Plus pour certains. Mais tu sais, ils bouffent genre 10 kilos de pistaches et puis après ils font leur repas de gros porc derrière. Même en suivant, c'est chaud. Ouais, non, mais en fait, je comprends pas. Par contre, je comprends pas l'histoire et tout. Je vois que le seul lien, c'est que voilà, c'est un gosse qui se fait torturer par un démon ou je sais pas quoi, mais. Après, ce qui se passe, tu vois, comprendre pourquoi il se passe ça, qu'est-ce que ça veut dire. Encore une fois, d'avoir une signification, mais peut-être que intime à l'auteur parce que. Faudrait décrypter quoi. Des crypto-monnaies. C'est un enfer ce machin encore. Putain de cauchemar en fait. Nous sommes tous jeunes et beaux. Double mensonge du coup. Ah, le petit écran blanc à 23h, à 22h36, bien sûr. Oh, le dog. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il vient? Ma baby dog. Jamais fait de cauchemar comme ça. Moi non plus. Moi, ils sont nuls, mes cauchemars. C'est même pas des cauchemars, c'est genre des... terreurs nocturnes, je sais pas. Enfin, des hallucinations, plus, tu sais. Genre t'es à moitié réveillé là, t'es, tu... des trucs à la con, genre il y a une guêpe tu vois dans ton lit, tu vois, moi c'est ça quoi. Tu vois, il y a une guêpe sur moi, un truc comme ça. Mais c'est comme si je les étais en vrai quoi. Après les cauchemars, si je me souviens une fois qu'il y avait un... J'avais fait un cauchemar où c'est... j'étais dans un champ et j'avais un prof qui était... Il avait genre un bandeau sur les yeux. et il avait... Genre pas de jambes, il avait un couteau et il essayait de me trouver et de me tuer dans le champ. C'était très torturé comme rêve, ok. Ça aurait pu finir dans ce jeu là. Après je laisse les psychiatres et autres psychologues analyser le rêve. Et qu'est-ce que ça voulait dire. Il y a quand même des moments où c'est plus fucked up que d'autres moments dans ce jeu là. Hein. Genre là c'est quand même beaucoup plus hardcore ce passage. La main faite avec des saucisses de Strasbourg, c'est incroyable comme rêve ça. C'est fou. Tout ça en fait, ça représente la naissance, je pense. Mmh. Nous ne sommes qu'un amas de smileys. Ah, il faut quand même que je l'aide là, du coup.
Oh, la couffaine. Produit Erta, quoi, attends tous. Les jambes de un petit oiseau. Restricted. Trademark. Regarde, là, c'est la naissance. On va dans le corps du petit garçon. Et on a notre personnalité qui est définie. C'est une étoile de mer, un chien et un ballon. Moi, ça me va. Oh là. Et tournez, tournez. De toute façon, je peux faire que ça, non? Allez. 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 Oh là. Mais vous vous souvenez pas de vos rêves, même en vous réveillant, genre, au moment où vous vous réveillez, juste après vous oubliez en 5 minutes. C'est un classico, ça. C'est quelqu'un qui se souvenait de sa vie, peut-être? Ok. Ouais. J'ai rien capté. Mais j'ai un chien maintenant. Mais j'ai rien capté.